Préciser même que on a fait des chercheurs américains ont fait des découvertes intéressantes il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle de ce fameux humus, on va appeler ça de l'humus, qui se dépose dans le fond des ruches. Alors moi, en tant qu'apiculteur, en tant ancien de ex-apiculteur professionnel, je faisais comme tous mes collègues, et comme ils continuent à se faire d'ailleurs, on avait une vision très hygiéniste de nos ruches. C'est-à-dire que chaque printemps, c'était le grand nettoyage. On passait, très rapidement, je vous explique la chose, on nettoie le fond des ruches. C'est-à-dire on déplace la ruche, on a un fond qui a subi tout l'hiver, il y a des abeilles mortes, il y a des bouts de cire, enfin, etc. Et tout ça, on a cette magnifique habitude de nettoyer tout ça, voire même de passer le chalumeau, hein, parce qu'on a tellement envie que ce soit parfait. Voilà. Bon. Et comme tu le disais, dans les ruches de biodiversité, donc les ruches que vous voyez ici, mais dans la nature, dans un arbre, dans une vieille poubelle, dans un vieux poste de télé, abandonné dans un fossé où un essaim était se loger, ça arrive, parce que les contenants, elles n'en ont rien à fiche, dans le fond. On va trouver cette espèce d'humus qui s'accumule au fil du temps. Et là, nos chercheurs américains se sont rendus compte, par observation, un jour, ils ont vu des abeilles qui trifouillaient là-dedans. Elles grattaient, elles cherchaient. Et alors, à force de pousser leurs observations, ils ont remarqué qu'elles allaient butiner, c'était un butinage, sur du mycélium de champignons qui s'était développé dans ce truc-là. Alors ils ont poussé les recherches un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, jusqu'à se rendre compte qu'elles sortaient par ce butinage un espèce de produit dont elles se servaient pour leur pharmacopée. Ça servait à lutter contre certains virus qu'on trouve dans les ruches, surtout maintenant où on s'est rendu compte que les blessures occasionnées par le varroa, ces blessures que font les varrois, c'est des vampires, hein, voilà, des petits acariens qui vont pomper. Qu'est-ce que le varroa? Qu'est-ce que le varroa? Parce qu'on est vampires, on sait peut-être autour de la table, mais tout le monde ne sait pas. Faire des rappels. Le varroa, c'est une infestation de parasites, c'est un espèce de petit acarien qui nous est arrivé il y a à peu près 35 ans, à peu près. Avec les importations justement dont parlait Bernard, les importations de ruches de l'étranger, et ce varroa, nos abeilles ne le connaissaient pas. Elles en connaissaient un qu'on appelait nous le bout des abeilles. Alors comme on fumait plus ou moins, il suffisait on fumait une cigarette, on soufflait la fumée de notre cigarette dans la ruche, ou alors on mettait du tabac dans l'enfumoir et on faisait tomber cet acarien qui n'avait rien de bien dangereux. Mais là, on est tombé sur un dur à cuire qui a envahi les ruches. C'était une infestation totale des ruches dans les années 80 à peu près. Et ce sont des millions de colonies d'abeilles qui ont disparu en l'espace de 2 à 3 ans. Et ce varroa qui est arrivé dans ces époques-là, ben on l'a toujours. Et il y a une trentaine ou 35 ans, ça a été une panique totale dans le rang des apiculteurs professionnels, amateurs, tout le monde, parce que tout le monde voyait crever ses abeilles sans rien pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est-à-dire 35 ans après, quasiment, la panique est toujours là. Elle est toujours là parce qu'on ne sait toujours pas. Alors il y a tous les traitements possibles et imaginables. C'est ou chimique avec de la nitrase, des molécules de chimiques qu'on fiche dans la ruche, qui s'accumulent après dans la cire, enfin qu'on retrouve, et c'est vraiment pas l'idéal pour les abeilles. Il y a des acides, acide oxalique, thymol, etc. Poudre de perlimpinpin, hein, il y a absolument tout ce qu'on peut imaginer. N'empêche que le varroa, il est toujours là. Certaines abeilles, certaines colonies d'abeilles sont plus avancées en termes de résistance à ce varroa que d'autres. Alors, là, on m'a fait déraper. Je suis en train de parler.
Voilà, je reviens à mon mise. Donc voilà, c'est un acarien, un parasite de la ruche. Donc, et du varroa. Donc on s'est rendu compte que les blessures occasionnées sur les abeilles par ce varroa donnaient aussi des virus. Il y avait des virus, il y avait une maladie virale qui s'ensuivait à la suite de ces trucs. Et on s'est rendu compte que ce produit qu'elles allaient chercher dans le mycélium pouvait être un remède contre ce virus, contre ces virus, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, c'était pour appuyer ce que tu disais. Juste rajouter une chose par rapport à l'humus au fond des arbres creux. On s'est aperçu, là, il y a une étude qui est menée actuellement en Allemagne sur ce fond de ruche, où avec la présence de ce qu'on appelle le pseudoscorpion, qui est a priori un prédateur du varroa. Mais lui, il vit là-dedans. Donc dès l'instant où on a des ruches parfaitement lisses, c'est une espèce de petit scorpion, c'est un tout petit acarien qui a besoin de se planquer. On l'appelle aussi le scorpion des livres. Donc il va se planquer dans les feuilles, juste comme ça. Donc s'il n'a aucun endroit pour se cacher et se reproduire dans nos ruches, il sera pas présent. Alors que vous le mettez dans un arbre, dans une ruche en paille, juste comme ça, il a plein d'interstices pour aller se reproduire. Et il peut jouer son rôle de protection de la colonie naturelle. Donc vous êtes en train de dire qu'un excès d'hygiène dans la ruche pourrait défavoriser les abeilles. Trop propre. Voilà. C'est à tel point que les colonies sauvages sont pas indemnes, mais quasiment indemnes de varroa aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont subi elles aussi des pertes énormes au moment de l'arrivée du varroa, mais celles qui ont résisté, et c'est là où la sélection positive est extrêmement intéressante, là, celles qui ont résisté ont développé une capacité d'épouillage tout à fait extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, des essaims comme celui qu'on a vu cette semaine accroché à sa falaise se portent parfaitement bien, il n'y a pas de, il y a aucun problème pour lui, tout va bien, et ce n'est pas le varroa qui va remettre en cause sa survie. Donc, d'une certaine façon, on est en train de dire que les maladies sont apparues avec cet excès de d'hygiène quoi, dans les ruches. Monsieur Guillaume, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça, par rapport à l'apparition des maladies et... Quelle serait l'origine, selon vous? Les maladies, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a commencé à avoir des maladies déjà à la sortie de la guerre. Et déjà à ce moment-là, il a fallu commencer à prendre des médicaments pour essayer de sauver les abeilles. Et ce faisant, on a permis au lobby de la chimie de s'installer dans l'apiculture. Et là, le ver était dans le fruit. Donc, au fur et à mesure que les abeilles étaient malades, on a ajouté des produits chimiques et on en est toujours là. Donc, aujourd'hui c'est la chimie qui mène le jeu, sans sortir du problème. Parce qu'en fait, monsieur parlait du varroa, ben, le varroa, il est toujours là, il vit toujours. Et pourtant, on l'a combattu de toutes les manières. Donc, ce qu'il faut à l'abeille, c'est qu'elle puisse vivre selon son mode de vie naturel pour garder une certaine résistance. Et c'est ça qu'on a retiré à l'abeille, on lui a supprimé son mode de vie naturel, donc on l'a affaibli de ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure des maladies, ben, on a ajouté tel et tel produit, et c'est devenu un business, ça. Ça rapporte énormément d'argent. Et là, je crois que l'homme n'a pas compris. Il s'est fourvoyé là, en prenant cette histoire de produits chimiques et on n'en sort pas, quoi. Qui est d'ailleurs généralisé à tout le vivant. Tout dans l'agriculture conventionnelle. Exactement. Donc, tout devient artificiel. Et l'abeille n'est pas faite pour ça. L'abeille ne peut pas vivre dans les produits chimiques. C'est pas possible. C'est un peu comme les humains aussi. Oui, exactement. On est dans le même processus. À partir du moment où vous avez quelque chose, vous allez au docteur, il va vous donner un médicament. Et là, c'est la même chose. Quoi. L'abeille, on lui donne des médicaments, mais ça n'a pas ça n'empêche pas qu'elle soit malade quand même. Parce que vous lui avez supprimé son mode de vie naturel. Merci. Avec un paradoxe qui est plus on va lutter contre le varroa, plus il devient résistant et plus la veine s'affaiblit. Et donc.
Donc on n'en sort pas. Ok, donc en fait, la disparition de l'abeille est due à une combinaison de facteurs. Là, on est en train de parler des maladies. Le varroa, il s'est installé dans la ruche et il s'immunise au fur et à mesure qu'on lui donne un médicament. Donc vous pouvez changer de médicament, mettre un médicament plus fort, le varroa va s'adapter et va résister. Oui. Il n'y a pas de solution, c'est pas cette solution-là qui va. Voilà, et à la fois ça va affaiblir les capacités de l'abeille à se défendre, bien sûr. Un peu comme les humains avec les médicaments aussi. Donc là on parle de maladies et en même temps de parasites, ce sont deux facteurs de disparition parce que le varroa transmet des maladies. Maurice. Oui, bonjour à tout le monde. Je voudrais rajouter quelque chose sur les champignons. Lors de certains de mes voyages, on s'aperçoit que des vieux paysans, pour lutter contre les maladies dans les ruches, brûlent dans leur enfumoir, surtout en Roumanie, des champignons de souche sur les troncs de bois. Merci, monsieur. Mais vous voyez que c'est vrai. Deuxième chose, c'est que les ruches de biodiversité, il ne faut pas voir ça comme des ruches, il faut voir ça comme des couveuses. Ce sont des couveuses. Une couveuse ne s'ouvre pas. Si vous avez des œufs pour faire sortir des poussins, des œufs, si vous ouvrez la porte sans arrêt, vous verrez que ça capotera, ça ne marchera pas. L'observation sur les essaims sauvages, de ce que tu as parlé, Bernard, je l'ai faite des années. C'est ce qui m'a amené à les études sur la biodiversité des abeilles. On s'aperçoit que les abeilles, pour moi, ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la grappe d'abeilles. C'est l'animal qui a une température à 37 degrés. Les abeilles sont des insectes, si vous voulez, à sang froid, mais thermophiles. Elles sont là pour fabriquer de la chaleur. Donc on doit étudier un essaim d'abeilles. Ça revient à ce que vous dites, pourquoi les maladies sont moindres dans ces essaims. C'est qu'ils dégagent une chaleur au-dessus de 37 degrés, voire plus l'été. Aux époques où le varroa se développe, eh bien, au-dessus de 36 degrés, les femelles varroa ont du mal à faire leur cycle de vie dans les alvéoles des faux-bourdons et même certaines ouvrières. Il faut voir une ruche comme une troisième peau d'une grappe, si vous voulez, la grappe à sa chitine. La ruche intérieure, dans ces ruches qui ne sont jamais ouvertes, sont propolisées, toutes les parois sont propolisées. Sans propolis, votre ruche est morte. C'est un antiseptique, elles en mettent même à l'entrée de la ruche de manière à ce que toutes les abeilles qui passent sur cette propolis aient les pattes désaffectées pour entrer dans leur demeure intérieure. Et la ruche est juste la troisième peau de cette grappe. Thank you.